Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landron pour ce tout nouveau let's play sur le jeu Age of Empires 3 Complete Collection. Et donc cette fois-ci, on va s'attaquer à l'extension Asian Dynasty. Enfin, on arrive aux trois derniers actes, et cette fois-ci, on va découvrir de nouvelles civilisations qu'on n'avait pas du tout abordées dans les précédents volets, qui sont le Japon, la Chine et l'Inde. On va commencer pour ce let's play, pour cette saison-là, on va commencer par le Japon. Oui, c'est ça. Allez, on est parti. Septembre 1598. Ce matin, le daimyo Toyotomi Hideyoshi, l'homme qui avait lutté afin d'unifier notre pays divisé et meurtri, est mort. Là où respire aujourd'hui la paix, naîtra la guerre. Le temps est venu pour le Japon de se soumettre à un nouveau maître. Écoutez, car voici les dernières paroles du seigneur Mototada. Notre château est assiégé par plusieurs daimyo rebelles. Ils devraient entrer ici dans quelques instants. Mais je ne crains pas la mort. Quand on décide d'offrir sa vie à son maître, alors la peur n'existe plus. Même face à un désastre imminent, c'est avec honneur que j'offre ma vie à mon seigneur Tokugawa. Mon seul regret est de ne pas en avoir fait plus. Cela. Seul un mort peut s'en prévaloir. 2 ans plus tôt. Vous désiriez Tokugawa Dono? Écoutez, Kichiro. L'unificateur du Japon est mort. Et sa dynastie ne tient plus maintenant qu'à un fil. En ce moment même, mon ennemi, Ishida Mitsunari, persuade les clans occidentaux de se liguer tous contre moi. Alors nous l'en empêcherons. Dans l'heure, s'il le faut. Tu me rappelles pourquoi j'ai adopté ce pauvre orphelin il y a 10 ans de cela. J'ai vu dans ses yeux la même férocité qu'en ce moment. Mais souviens-toi, Kichiro. Sache qu'un jour ou l'autre, tu devras choisir entre ta propre ambition et l'ambition de ton seigneur. Ma loyauté envers vous ne faiblira pas, quel que soit l'avenir. Comme il se doit. Même le plus fort d'entre nous doit savoir fléchir. Juillet 1600. Nombreux sont ceux qui pleurent Toyotomi, mais ils devraient épargner leurs larmes. Un homme unifiera bel et bien le pays. Mon maître, Tokugawa Ieyasu. Ieyasu, je crois qu'on dit comme ça. Le plus puissant des daimyo m'a envoyé au château d'Osaka pour m'emparer en son nom du pouvoir qui lui revient de droit. Un empire s'éveille aujourd'hui. Et ça va être le début de l'ère Edo, je crois. Un château pour un roi. Général, toutes les défenses du château d'Osaka sont prêtes. Les idiots! Mais j'adore les défis. Bonjour. Vous êtes le célèbre général Kichiro. La dernière fois, je crois vous avoir appris à jouer au ballon. Bonjour, Daimyo Mototada. Le maître savait que vous viendriez. Comme toujours, mon clan est à votre service. Le château d'Osaka est le siège du pouvoir. Quiconque l'occupe dispose d'une autorité totale. Savez-vous que l'héritier de la dynastie Toyotomi n'est qu'un garçon de 5 ans? Certes, mais un château doit abriter un seigneur, et non pas un enfant. Nous devons rendre ce château de nouveau digne d'un souverain. J'adore comme ce jeu nous place entre guillemets dans la peau du méchant de l'histoire. Bon, parce que là quand même, Tokugawa Ieyasu qui va instaurer la prochaine ère du Japon, il a quand même viré du pouvoir un gamin. Je sais plus ce qu'il en a fait, s'il l'a tué ou pas. Les villageois des environs connaissent sûrement les faiblesses du château. Ralliez-les à votre cause. Ok, on va devoir prendre Osaka, mais genre avec quelques Pékins. Ok, d'accord. Ok, donc on va commencer par récupérer un maximum de villageois. Objectif principal, détruire le centre-ville d'Osaka. Évidemment, là, c'est une place forte, la première place forte du Japon, et on est obligé d'y aller avec ça. Je crois qu'il va nous falloir faire des bâtiments. Donc le pouce-pouce, il permet de faire une cerisée. Ok. Donc, on va récupérer quelques ressources. Je vais mettre... On est à 26 sur 30. Ah oui. Allez, il faut que je pousse un peu tout ça.
Voilà. Donc. Faut détruire le centre-ville d'Osaka. Ok. Il y a un trésor. On va en profiter pour aller collecter les trésors. Toc. 20 pièces. Toi, tu vas aller au bois. J'aurai besoin de toi. Tiens, fais-moi un petit peu des trucs d'avance. Des bâtiments. Avance. Toc, ça fait de l'XP. Donc, c'est quoi la métropole ? Edo. Bah oui, donc je suppose que je me suis pas trop trompé. Là, on va prendre des samouraïs. Hein. La prochaine ère... La prochaine ère, oui. Donc, les ères, ce sont les sortes de calendriers japonais. Traditionnellement, ils comptaient en ères selon qui était au pouvoir. Et l'ère Edo, je crois que c'est celle qui est instaurée par Tokugawa Ieyasu. Alors... Détruisez le camp Ronin. D'accord. Les villageois partageront certainement leur secret avec vous. Ok, donc faut les aider à aller chercher les Ronins, à les virer. Sauf que je dois pas avoir assez de ressources, du coup non. Pas tout de suite. Ah zut, j'aurais pas dû demander des samouraïs, bon, c'est pas grave. Donc, toi. Toc. Voilà. Donc, il faudrait que j'aille déloger ces Ronins. Sauf que je suppose qu'ils sont beaucoup. Je dois pas avoir assez d'unités. Les Ronins, en fait, ce sont des samouraïs qui sont 100 mètres. Ce sont des samouraïs 100 mètres qui ont soit perdu leur maître, soit qui sont barrés, je crois. Il y a un film avec Kenny Reeves, qui s'appelle 47 Ronins, qui est un peu nul. C'est trop dommage. Parce que je pense qu'il aurait pu être vraiment cool, mais en fait il est un peu nul. Je me souviens plus trop pourquoi il était nul d'ailleurs. Et je le re-regarde. Il était pas ouf. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme bâtiment? Temple, donc pour... D'accord, les temples, donc c'est des bâtiments qui permettent d'augmenter la population, mais en même temps qui permettent de produire des ressources. Ah, est-ce que... Ah oui, c'est phasé. Les temples sont phasés entre eux, du coup, voilà, hop. Passer sur la bouffe, c'est bien. Donc, on a suffisamment de nourriture. Donc, les rizières, c'est pour la source de pièces. Château, monastère. Des améliorations pour les moines, c'est cool. Alors, attendez, on a pas mal de villageois. J'aurai besoin de bois. Pierre. Toi, tu vas aller là. En attendant. Ah oui, c'est vrai que ces civilisations-là, il y a besoin de créer des bâtiments pour chaque passage d'âge. Qui permet d'obtenir des pouvoirs, comme dans le jeu normal, on va dire. Chaque passage d'âge, on pouvait choisir une récompense selon le politicien qu'on utilisait. Là, c'est pareil, sauf que c'est un bâtiment qui fournit les récompenses, et ça permet d'obtenir un pouvoir. Donc on va essayer de récupérer les unités des archers Yumi, ça paraît être bien. On va voir ce qu'il y a en bas. C'est quoi ces bestioles? Il n'y a rien. Ils se sont fait défoncer. Ok. Donc 60 bois, c'est cool. On va regarder s'il n'y a pas d'autre chose. Donc faut regarder si... Ah. Les gardes d'Osaka ne comprennent que la force. Si nous avions un château, ils ne nous brimeraient plus. Construisez un château dans le village situé à l'ouest. Oh bah. Bonne idée. Petit château. Voilà, comme ça ils nous rejoindront, je pense. Ce serait une bonne nouvelle. Alors, il faut combien pour passer à la supérieure? 1200, 1000, je suis presque à 1000 de pièces. Ouais, sauf que je crois que j'ai besoin de... Ouais. Hop, on va redemander plein. En attendant, je pense qu'on peut aller essayer de tataner les Ronins. Sachant que les jaunes se font défoncer leur temps. En attendant qu'on ait des villageois qui reviennent. J'adore le villageois qui... T'as vu comment tu prends ta scie, toi? À une main, tu vas avoir un problème. On t'arrive quand même à construire un château comme ça. Ce qui est... plutôt badass.
Donc on va les aider, ça va faire de l'XP. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire là-bas. Vous. Ok. Alors faut faire gaffe, il y a des rouges derrière. Je suppose que c'est pour nous. C'est le moment que nous attendions. Prenez les murs d'assaut. D'accord, ouais, j'ai construit le truc. Ah oui, ils sont sortis. Oula. Vous allez payer. Nos frères sont emprisonnés au château pour avoir fomenté une révolte. Reste dedans, toi. Exécutés. Oula, oula, oula. Les portes sont sécurisées, général. Passons à l'attaque. D'accord, donc ils ont récupéré les portes. Par contre, mauvaise nouvelle. Ils se sont mis ici. Faut que je puisse redescendre. Ok, d'accord. Ok, j'ai encore de nouveaux objectifs secondaires. Sont tombés, mais pour atteindre le château, nous devons bâtir une merveille et améliorer nos armes. D'accord, j'ai bientôt assez de nourriture. Il faut qu'on passe à la suivante. Il faut que je fasse des trucs. Il faut que je fasse des trucs. Voilà, attendez. Il y a trop de trucs. Je suis pas bien. Voilà. Casse-toi, toi. Non, c'était une mauvaise idée. Reste dedans. Allez, vous venez, vous. Ils sont en train de tout casser. Allez, bougez-vous le fion, là. Voilà. Ok, je pense que c'est bon là, c'est libéré. Donc en fait, là ici on pourra rentrer tranquillou. Ils se sont occupés des portes. Tranquillement, ça a l'air d'aller. D'accord, toi je vais te réparer parce que j'aurai besoin de faire des unités de siège. Je vais du coup avoir besoin de faire une merveille pour passer à la suivante. Qu'est-ce que je prends? Cassant des portations, un grand temple plus revenu des temples, ok. Trois éveillés, Nagi, Nata, Sentinelle, plus... Ok, Nana, Tiyumi, un Daimyo plus 300 XP, un pouce-pouce militaire. Je pense qu'on va prendre le pavillon d'or. Ah oui, c'est gros. Vas-y, construis-moi ton truc de passage. Et moi, je vais demander de nouvelles unités. Unité à distance, c'est toujours cool. Je me rends compte que j'ai pas énormément de villageois à la nourriture. Ah ouais, mais ils remettent le paquet là. Ok, d'accord. On va lancer un paquet de samouraï. Et vous voulez pas fermer les portes ici? Je sais pas, c'est vos ennemis. Ils peuvent pas passer si vous fermez les portes. C'est bon, il va démonter mon château. Shit. Oh là là. Ouais. Casse-toi, toi. Bon. C'est caca. C'est très le caca. Parce que du coup, j'aimerais bien refaire un fort. On va le cacher. Hein. On va le cacher loin. Tant pis si les violets se font démolir. J'ai envie de dire, c'est leur faute. D'accord, le Daimyo, il permet d'entraîner des unités à côté. Ah oui, par contre, ça coûte un paquet. Toi, t'es bientôt en train de finir le construire. Toc, j'aurai besoin d'unité de pop. J'ai toujours pas fait
Une caserne, j'ai besoin d'une caserne. J'ai pas encore fait de caserne, débile. Un marché, pas besoin, la rizière, c'est pour les pièces, on est bon encore. Château, c'est en cours. Le monastère, on va faire un monastère aussi. Pour les engager des mercenaires. Voilà, donc là on a plein d'unités. L'idéal, ça serait que j'attaque les Ronins. Ah ah, HD Forto. Nous devons renforcer notre attaque. Utilisez votre château pour construire des armes de siège. Puis frappez le cœur de l'ennemi. Ok. D'accord, d'accord. Donc toi, tu vas être gentil de revenir là. Il parle Gugus qui se récupère. Ah d'accord, ils sont tous là. Cerise, donc là on peut construire des unités. Oh, des incendies repentis. Ah oui, 300 par contre. Donc du coup, on peut faire des améliorations d'unités. On va en avoir besoin. Par contre, ça coûte un paquet de bois. D'accord, toi tu peux rien faire. Ah, tu peux juste peut-être aller au bois. Pareil, je vais mettre ça en mode bois. Oula. Pas d'unité. Le pavillon d'or, il y a tellement d'améliorations, point de vie de l'infanterie, armée de mousquets, de fusils accrue, ça coûte du bois, tout ça coûte du bois. Attaque de l'infanterie équipée d'armes à feu accrue, gna. Ok, donc en fait la tactique augmente aussi le... les dégâts, bonus de point de vie. Genre bonus, un bonus de vitesse, ça peut être pas mal. Point de vie d'artillerie accrue, donc là on a plein de buffs dans tous les sens. Qu'est-ce que je peux demander? Surtout, j'ai pas la place. Ah, d'accord, plus d'or. Allez, ici. Il va me falloir un peu plus de population. Oh là là. Il faut tellement de trucs. Rien ne va plus. Pousse-pousse de ville, on s'en fiche. On va attendre un peu qu'on puisse récupérer des nouvelles cartes. Alors ici, on peut faire des flèches enflammées. Canon japonais projetant une flèche explosive. Plus efficace contre l'infanterie et l'artillerie que contre les bâtiments. Du coup, tu pues un peu. Les Ronins, ils sont en train de tout casser. On va peut-être les aider. Je crois qu'ils ont perdu. Allez. Ok, c'est bon. On va aller défoncer ces Ronins, histoire de... Ok, plus de nourriture ici. Normalement, vous êtes 10. Pips qui rentre dans la cerisée. Voilà, normalement ça va venir vite. D'accord, j'ai masse bouffe. C'est une bonne nouvelle. Faire un samouraï discipliné. Ah, il me faut du bois. Il me faut beaucoup de bois. Je vais augmenter l'attaque. Voilà. Là, qu'est-ce que c'est? 210 pièces, ça peut être une bonne idée. Oula. J'ai un villageois qui fout rien. Ah oui, c'est toi. On va avoir besoin de nouvelles unités. On va prendre un peu de tout. Hein. Vous savez quoi? Voilà. On va monter à 80 sur 80, ok. Oula, défoncé. Allez. On va défoncer ça. Il s'est défoncé le Daimyo.
Allez, cassez-moi tout ça. Ah, mais il y a de l'or là. Ok, c'est bon, on y est. Donc, on est chargé. Merci. Nous allons vous aider à forcer l'entrée du château. Voilà ce qu'il en coûte de nous ignorer. D'accord. Qu'ils vont faire? On va faire tout péter? Chico! Où es-tu, Chico? Honorable seigneur, auriez-vous vu mon canard? N'approche pas! Va chercher ton maudit canard ailleurs! Qu'est-ce qu'ils font? Mes excuses. Faites-moi savoir si vous le trouvez. Sayonara! D'accord. Mais ils ont tout fait péter. Normal. Alors toi tu fais rien non plus, j'ai besoin de toi. Ok, donc là j'ai fait monter. Pistolet à sec, c'est bien. Ok. Cavalerie de mêlée, c'est pas mal. Alors, on a besoin de plus d'artillerie, non? H4. On peut faire l'H4. Dites-moi qu'on peut faire H4. Ah. 6 samouraïs. On peut faire l'H4. Autant faire l'H4, j'ai envie de dire. Comme ça, on va leur rouler dessus. Bien méchamment. Alors, on va faire cartouche de papier, c'est bien. Hey, avec tout ça en plus. Ah non, ils vont prendre cher. Ils vont prendre cher. Alors, je vais tirer ma souris, le câble est un peu trop court. Ah oui, d'accord, donc là j'ai tellement d'unités que je peux même pas toutes les prendre. Ok, good news. Ça a tenté de passer par là. Je vais passer. Vous, vous êtes suicidé. Deux suicidaires. Bon, dans tout ça, il faudrait que je passe par quelque part. Oh oh. L'idéal, ça serait en fait de passer tout par le haut. Je fais venir des unités de siège, genre des Morutaru. Artillerie qui tire des obus sur les bâtiments ou les navires. Pas disponible en H4. Alors l'H4 c'est en cours, on y arrive. Et avec ces trucs là, on va pouvoir tout casser. Ok, 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 ok. Pas plutôt au bois, j'ai pas assez de bois en fait. Et là on va pouvoir leur rouler dessus. La cavalerie de mêlée inflige davantage de dégâts au bâtiment. Bouddha, un grand Bouddha. Mais c'est bouddhiste le Japon? Ah peut-être. J'ai pas trop. Je crois que c'est assez pluriculturel. D'accord, donc là c'est une compétence qui arrive. Et en plus de ça, on a des cavaliers Naginata en plus. Ce qui est une bonne nouvelle, ça nous fait des réservistes. Pour LH5. Mais pas tout de suite. Toi, je sais pas trop où on va te mettre. Par contre, du coup, bonne nouvelle. Où est mon... On pourra faire des Morotaru. Attaque et point de vue des Morotaru augmentés. Eh, du coup, j'ai pas assez de bois. Je suis un génie. Je suis un génie. Plus de bois, s'il vous plaît. On va en faire un... Vraiment que je passe par là. Je fais plusieurs Morutaru. Et ça va chier dans les cactus. Je pense qu'il faut plus de bois, s'il vous plaît. Il m'en faudrait au moins deux. Voilà, il y en a deux. Si possible, trois.
plus ne fait pas accélérer le temps, il fait juste avancer la caméra. Ce qui est pas ouf. Tiens, va couper du bois. Si ça se trouve, j'en ai juste assez pour en faire un troisième avant, là. Bim! Trois Morutaru. Ça devrait aller. Peut-être mettre un quatrième. Alors, je pense que le quatrième, c'est mort. Dommage. On va en faire un quand même, parce que voilà. Ah, vous êtes en mode déplacement, vous êtes aussi lent que ça? Ok, d'accord. Je vois. Ça va être costaud, je sens. Il faut que je casse... Ah, ils sont en train de faire des trucs. Ok. Il va falloir casser tout ça. Je vais amener vous là-bas. Et on va faire un gros rush, en fait. On va leur rentrer dedans. Mode ultra bourrin. Aïe, ça va tenter une attaque. Nos guerriers ont besoin de plus de nourriture. Placez des cerisiers et des temples pour remplir nos réserves. Ah, sérieux? J'ai 50 milliards de temples. Ah, de toute façon, j'ai pas assez de bois. Donc. C'est bon, je les ai? Allez, par ici. Aïe, avec tout ça, ça devrait aller. Révèle temporairement le champ de vision de l'ennemi, j'utiliserai lors de l'attaque. Ok. J'ai tellement pas de bois, en fait. Virer. Sale bestiole. On peut pas supprimer, du coup? Si. Voilà, c'est mieux. Alors, ces machins arrivent. Oula! Ces cavaliers Nagidata, on peut les envoyer à l'infini. Why not? On va l'envoyer, hein. On aura toujours plein de réservistes, comme ça on pourra tous les faire arriver d'un coup. Et on va littéralement les écraser. On va leur rouler dessus. Sévère sa mère. Ah, ils sont arrivés. Ok. Bon. On va commencer par détruire ça. Je sais pas si ça attaque ça. Ah oui, non, en fait, c'est juste disparu. Dans ce cas-là. Prendre ça. Ok, donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste des gens. En fait, ils sont que là, ils sont tous là. Ils sont tous là, du coup. Nos frères sont emprisonnés au château pour avoir fomenté une révolte. Ils vont sûrement être exécutés. D'accord. Ça fait mal, ces trucs. On peut pas mettre un... Ouille! D'accord, c'est douloureux. Ok, on va casser les murs maintenant. Vous restez là. Ok. Donc on a géré la menace sur le côté. C'est bon. Oula, ne vous approchez pas trop, vous. Waouh, c'est parti de là. J'ai vu passer la fusée, je fais oula. Oula là. J'ai envie de rentrer dans le tas. Ok. Toc, allez casser par là. Là ça va être la grosse baston. Allez hop.
et le centre-ville va péter. Et bim! Normalement, avec le bourrinage des machins, ça va être vite expédié. Allez, quelques petits coups. Et c'est fini. Le combat d'Osaka s'achève. Le Japon appartient désormais à Tokugawa. Le gros rush. On leur a roulé dessus. Oula, du coup on a atteint métropole de niveau 6. Ah oui, ça fait quand même pas mal d'XP. 4 villageois, ça peut être cool. Le bois, ça peut être une bonne idée, vu comment j'ai galéré avec le bois. C'est tellement plus rentable, ça. Ah non, pas possible d'envoyer. D'accord, il est possible d'envoyer cette carte KH4. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. 14 archers Yumi, ça va être bien. Flèche enflammée, nana, bon. Attaque des centres-villes augmentée. Toutes les cavaleries sont en train de plus vite. Pof. Puissant dojo. Oh. Limite de construction augmentée, ça c'est cool. Les villageois amassent tout le bois plus vite, ça peut être bien. Ça peut être très bien. Ah oui, j'ai plus de nouvelles cartes. Ok. On va générer le jeu, sachant que... Sérieux, j'en avais 20? Ah oui, d'accord, elles se sont installées de suite. Elles se sont installées d'elles-mêmes. Les Morutaru, ça pourrait être bien d'en avoir, en fait. Qu'est-ce qui me sert pas? Ça me sert pas. Bah, c'est bien tout ça. Ok. Allez, suite. Septembre 1600. Comme prévu, les daimyo se sont divisés en deux armées. Les loyaux serviteurs de la paix et ceux de Monseigneur Tokugawa. Ok, d'accord. Le mec, il se cache même pas. T'as. Alors même que j'écris ces quelques lignes, les clans de l'Ouest, dirigés par Uesugi Kage Katsu, ont abandonné leurs charrues et ont pris leurs armes contre nous. L'horizon n'est qu'adversité. Menace à l'Est. Notre victoire fut courte. Les alliés d'Ishida se sont révoltés dans les provinces de l'Est. L'ennemi veut encercler mon armée de toutes parts, pour la piéger comme un renard dans son terrier. Quels sont vos ordres, Tono ? Frappez-les très fort, et au plus vite. On respire très mal avec un couteau sous la gorge. Personnellement, j'aurais attendu qu'Ishida commette une erreur. Mais là, nous sommes tombés dans son piège. Ne doutez pas du Seigneur, Kichiro. L'obéissance n'est rien si elle n'est pas absolue. Il semble qu'il me reste beaucoup à apprendre. N'apprenez pas trop, ou c'est moi qui vous appellerai maître. C'était un peu débile comme réflexion quand même. L'obéissance n'est rien si elle n'est pas absolue. Non, mais l'obéissance, c'est pas forcément de quelque chose d'absolu. Sinon, c'est de la soumission. Soulèvement. Tant presse. Nous devons nous hâter de détruire l'armée de Uesugi avant qu'elle ne représente une menace. De nombreux villageois s'opposant à ce soulèvement ont été emprisonnés. Libérons-les et ils prendront sûrement les armes à nos côtés. Ok, mais tout ça, ce sera dans un prochain épisode, puisque là, on a fait déjà un bon gros épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette reprise, cette fois-ci, sur une nouvelle civilisation. Moi, ça m'éclate vraiment, j'adore le Japon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, à venir me suivre sur Twitter, c'est gratuit, ça coûte rien, et puis de temps en temps, je pose des trucs un peu autre chose que à propos du jeu vidéo. Et puis voilà, voilà. En tout cas, moi, je vous retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. D'ici là, portez-vous bien, et puis voilà. Allez, salut tout le monde!